morgen allez idée les titres aujourd'hui le lundi matin ramion ben khana peggy batester nissim ben aouda michael novik aussi le fois route bat claudine traina et simcha bat masoudi betor shalom israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet et Douyot, Perek Gimel, Mishnah Chet. Shemosha Devarim, Rabbi Tzadok Metame, Vachachamim Metaharim. Masmer Ashulchani, Ve Aaron Shel Garosot, ou Masmer Shel Even Shaot. Rabbi Tzadok Metame, Vachachamim Metaharim. D'abord, juste, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà depuis maintenant, une Mishnah en fait en réalité. Et ça va continuer ensuite pour la suite du Perek. On va rapporter que dans l'Ilchot Touma Vetahara, le tel Tana était en machloket contre Chachamim sur 3 points, 4 points, 5 points. D'accord, c'est en cela que ça s'enchaîne maintenant avec la Mishnah précédente. C'est-à-dire on avait commencé avec Rabbi Dosa en rapportant quelques machloket. Puis ensuite on était passé avec Rabbi Yoshua et Chachamim sur l'Ilchot Touma Vetahara d'hier. Et maintenant on va passer avec Rabbi Tzadok. Et ensuite il y aura Rabban Gamliel. Bon, il va revenir à tour de rôle un peu tous les Tanaïm comme ça. Le but de Maseret Edouyot, c'est de classer les Tanaïm, les discussions sous forme de groupe, comme si on avait tout introduit. Pour notre propos, on continue dans l'Ilchot Touma Vetahara, on est à fond dans Maseret Kelim. Dans Seder Taharot, il y a une grosse Maseret qui s'appelle Maseret Kelim, où on évoque tous les différents ustensiles à les définir selon des règles bien établies, qu'on découvre au fur et à mesure, à définir est-ce qu'ils sont aptes à recevoir l'impureté ou non. Pour pouvoir comprendre notre Mishnah, on va avoir besoin de trois petites introductions, ça va être très rapide, Bezrat Hashem. Il y a tout d'abord, on avait évoqué qu'un ustensile en bois doit nécessairement être un kli, un ustensile qui contient pour recevoir la Touma. Ce n'est pas le cas pour les ustensiles en fer. Pshute kli etz et non tamé, pshute kli matechet tamé, si vous voulez recevoir avoir la formule. Pshute kli etz, des cliettes, des ustensiles en bois qui sont pshutim, simples, où il n'y a pas dedans de récipient, de réceptacle, il n'y a pas de quoi contenir, ce n'est pas des ustensiles qui contiennent, alors les pshutes cliettes de la sorte ne reçoivent pas la Touma, tandis que le pshutes climatechet, même un simple petit bout de fer que j'utilise, ça peut être une petite broche qu'une fille mettrait dans ses cheveux pour caler ses cheveux, alors c'est puisque c'est en fer, en métal, alors ça reçoit la Touma même s'il n'y a pas de récipient. Ça, c'est l'introduction à notre Mishnah. Donc le pshute kli matechet, ça reçoit la Touma. Cependant, une exception très importante. Tout ustensile dont l'utilisation est d'être fixé au sol, mechubar la karaka, fixé au sol, alors dans ce cas-là, ce n'est plus un ustensile. Il fait partie d'un... C'est une construction, d'accord? Même si ça peut être qu'un petit clou que j'entre et que je sors selon la nécessité, si j'ai besoin d'accrocher un tableau pour faire mon cours, alors je vais planter un clou dans un trou qui est déjà prévu. Alors là, regardez, dans cette situation, le clou, il devient son utilisation, il est les meshamesh imakaraka. On l'utilise en le fixant au sol. Il n'a pas d'utilisation telle qu'elle, je l'utilise pour rien faire d'autre. De ce fait, il ne recevra plus la Touma. Maintenant, une autre Mishnah va évoquer bien sûr des cas d'utilisation qui sont à la limite entre l'utilisation pour le sol et pour quelque chose qui est un mitaltel, un ustensile qui se déplace. Et là, ça va être de définir, c'est ça qui va avoir une discussion comme ce qu'on va le découvrir dans quelques secondes. Troisième introduction maintenant, et ensuite on démarre la Mishnah, c'est les kelim shel nachat, des ustensiles qui contiennent, mais qui sont prévus à ce qu'ils aient une utilisation fixe. Ça peut être, là je suis dans une maison de quelqu'un, où il y a un piano. Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, mais un piano en tout cas, puisqu'on l'utilise, on le fixe à une place et on ne le bouge plus, alors il va, dans certaines conditions que je ne maîtrise pas assez, mais en tout cas dans certaines situations, en tout cas, on va le considérer comme quelque chose qui est mechubar la karaka, qui est fixé au sol, même s'il n'est concrètement pas fixé avec des clous, mais puisqu'il a une utilisation fixe. Ça peut être même des meubles de cuisine de manière générale, je ne crois pas qu'on les fixe au sol, le poids du chaïch, du marbre, il est tellement lourd qui fait que ça ne bouge plus. Imaginez qu'en tout cas on ne les a pas fixés au sol, malgré tout ça s'appelle kelim shel nachat, des ustensiles qui sont faits pour être nochet, fixés à une place qu'on utilise, qu'on ne déplace plus, de ce fait ils ne reçoivent plus la Touma. Maintenant on approche notre Mishnah. Ça va un petit peu dans tous les sens ensuite, comment expliquer chaque mot qui est évoqué. Mais en tout cas, on a posé les principes qui vont nous permettre de comprendre les différentes explications de chacun des mots.
Shlosha dvarim Rabbi Tzadok metameh v'chachamim metaharim. Trois choses Rabbi Tzadok rendait tamé, il impurifiait, il disait que l'ustensile est considéré comme un ustensile, donc il reçoit la touma, tandis que chachamim metaharim, tandis que chachamim le laissait pur. Le premier, c'est masmer ashulchani, littéralement le clou du shulchani, on l'a dit, on le connaît déjà depuis Bava Metzia, le changeur, celui qui change l'argent, le bureau de change. On va voir qu'est-ce qu'il fait avec son clou dans quelques secondes, soit parce qu'il accroche quelque chose dessus, soit parce qu'il l'utilise pour caser sa table, c'est le même principe. Ve'aron shel grosot, et l'armoire des garosot. Les garosot, c'est toutes sortes de légumineuses, en l'occurrence, le Barthelon, il évoque le foul, apparemment c'est la fève, je pense. Je ne sais pas si en hébreu moderne, c'est en hébreu moderne, foule c'est la fève. Mais dans l'hébreu antique, je pense que c'est la même chose malgré tout. Donc, l'armoire, je traduis pour le moment, l'armoire des fèves ou des légumineuses est le masmer shel even shaot et le clou de even shaot, la pierre de l'heure. Soit, en réalité, c'est les horloges solaires. Horloge solaire, on plante, il y a un clou qui est planté dans l'horloge solaire. Et selon l'ombre que ça va nous faire, selon le soleil où il se trouve, alors l'ombre va projeter sur un cadran pour nous définir l'heure exacte qu'il est. Donc, maintenant, donc, dans ces trois cas-là, Rabbi Tzadok qui rend impur, Rabbi Tzadok metame, Vachrami metarim. On va expliquer un petit peu mieux. Masmer Ashulchani d'abord, pour rentrer sur le Masmer, on commence avec Masmer Ashulchani, on parle du clou du Shulchani, du changeur. Il y a deux explications, qu'est-ce qu'il fait avec ce clou? Soit le Shulchani, le changeur, il pèse, il vend, il achète et il revend aussi de l'or au poids et de l'argent au poids. Donc il a une petite balance, un Moznaim, Tolebokaf Moznaim, il rapporte le Barthénora. Il accroche dans le premier pirouge du Barthénora, il accroche le Kaf Moznaim. Le Kaf Moznaim, on va rentrer dans Elul, le Moznaim, Mazal Moznaim, balance. D'accord? Donc, c'est un petit clou qu'il accroche, mais j'imagine, c'est pas assez précisé, mais j'imagine qu'en tout cas, c'est pas quelque chose qui est vraiment fixé au mur, mais c'est quelque chose que selon la nécessité, il le met, il le retire. Et donc, c'est pas assez précisé parce qu'en réalité, les mefarchim se trouvent essentiellement dans la Masechet Kelim. Quand on étudiera des attachés en arrière dans la Masechet Kelim, on mettra le zoom dans tous les détails. Mais je suppose en tout cas que, sans cela qui discute que Rabbi Dosa et Chachamim, est-ce que le clou il est là pour utiliser surtout la balance ou pour, puisqu'on l'utilise en le fixant au mur, alors finalement, c'est, il devient partie intégrante au mur pour pouvoir accrocher la balance au mur. Donc, est-ce que, ouais, sans ça qu'il y a ici une petite nuance, comment considérer le clou que l'on met et que l'on retire selon la nécessité? Est-ce que c'est pour utiliser, c'est meshamesh metaltel ou c'est meshamesh karka? C'est pour utiliser le bien mobilier ou le bien immobilier en réalité, d'accord? J'imagine que c'est à peu près ça le plus rouge. Ve Aaron shel grosot. Alors Aaron shel grosot, là il y a deux manières de le lire. Soit on le traduit littéralement, l'armoire des garosotes, comme on a expliqué, l'armoire des légumineuses, soit c'est un grand bac en bois que, quand on veut vendre les légumineuses, on verse dedans, et donc on le laisse de manière fixe, c'est pas quelque chose qu'on déplace, peut-être c'est imposant, peut-être je sais pas tellement pourquoi, pas imposant dans le volume, parce que c'est dans le volume, il y a d'autres règles, mais sûrement dans le poids peut-être, donc c'est pas quelque chose qu'on déplace, et Chachamim vont considérer que, donc en théorie ça devrait pas recevoir la Touma comme ce qu'il dit Chachamim, et Rabbi Dosa va le rendre impur parce qu'il va dire ouais mais malgré tout des fois on le déplace malgré tout donc ça reçoit la Touma, il est apte à recevoir la Touma. Autre explication, ça consiste à mettre le masmer en facteur avec Ashulchani et Ve'aron shel garosot, soit il y a le masmer Ashulchani, le clou du Shulchani, ou bien le masmer du Aaron shel garosot. Et dans ce cas-là, ça redevient le même principe. C'est une armoire qui est un petit peu bancale. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réussi à bien la faire. Apparemment, c'est assez systématique. En tout cas, on met là-bas un petit clou. Ça peut être un clou, ça peut être un petit crochet, quelque chose qu'on utilise pour bien la caser. Et donc, de nouveau, on aura le même principe. Est-ce que c'est Meshamesh Karga ou c'est Meshamesh Metaltel? Est-ce que ça vient pour servir, améliorer les conditions du sol, ou bien non, ça vient plutôt pour améliorer les conditions de l'ustensile qu'on déplace, donc il prendra un statut d'ustensile ou de sol, selon le cas, il recevra ou non la Touma. Troisième chose, c'est le masmer chez l'Even Shaot, sur ça il n'y a pas eu de grandes discussions, le masmer du Even Shaot, le clou de l'horloge solaire, et j'imagine que l'horloge solaire elle est fixe, mais le clou, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on l'enlève, on le déplace, apparemment on ne le met pas de manière fixe. C'est-à-dire, il y a une chose de sûr, mon problème il est dans la Mishnah, il est simple, il est que si c'est un clou qui est fixé au mur, il n'y a personne ne va discuter que c'est un clou qui ne va plus recevoir la Touma, puisqu'il est partie intégrante de la construction immobilière, donc c'est un immobilier.
Donc de ce fait, c'est une discussion, j'imagine que c'est quelque chose que selon la nécessité, on va le retirer ou le remettre. Et de ce fait, c'est en cela qu'il y a une discussion. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Selah.